Alors, votre document, vous faites maintenant fichier exporter et vous choisissez de l'exporter en Flash Player entre parenthèses SWF. Donc l'extension est SWF. Ça va être un fichier sur le disque dur. Bon, on n'a qu'une seule page dans notre document de toute façon. On est d'accord. On n'avait mis qu'une seule page. Oui, il n'y a qu'une seule page normalement. Bon, sinon, il va falloir préciser à l'exportation que vous exportez la page qui contient l'interaction là. Hein, en faisant étendue 1. Ok, oui, il y a des paramètres avancés pour la compression des images. Ça, vous verrez après. Donc, j'exporte en SWF. Ça s'ouvre dans un navigateur web. Et là, quand on clique sur les différents boutons, on voit qu'il fonctionne. En fait, ce qui s'est ouvert dans le navigateur web, c'est un fichier HTML qui a été créé pour servir de support au SWF. On ne peut pas ouvrir le SWF directement dans le navigateur, il faut qu'il soit inclus dans une page HTML. C'est pour ça qu'en fait, oui, ça vient de vous faire à l'exportation une page HTML qui sert juste à visualiser le SWF dans un navigateur web. Voilà. Si vous faites un clic droit, vous allez voir le code dans le navigateur et vous allez voir que il y a une intégration du SWF. Mais bon, peu importe, en tout cas, ça fonctionne en SWF. Donc ça ne fonctionne pas dans votre navigateur parce que le plugin Flash n'est pas installé. Ce n'est pas grave parce que dans le Acrobat Reader, le lecteur Flash est intégré, donc ça devrait fonctionner dans le Reader.